Salut les Z, salut les autres, je suis Mister Sam et vous regardez le premier épisode de Versus point d'interrogation consacré à Jean-Pierre Petit. Jean-Pierre Petit. À lui tout seul, ce nom évoque une galaxie de sujets. OVNI, 11 septembre, UMIT, ITER, magnéto-hydrodynamique, univers jumeaux, pyramides, hiver nucléaire, Aurora, CNRS, politique. Jean-Pierre Petit dit beaucoup de choses sur beaucoup de sujets. Généralement classé dans la catégorie ésotérisme et conspiration, vous verrez que, en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Comme le veut la coutume lorsqu'on reçoit un authentique scientifique, car oui, nous allons le recevoir, je présente mon invité. Jean-Pierre Petit est un ancien directeur de recherche du CNRS, astrophysicien pour l'Observatoire de Marseille, spécialiste de la mécanique des fluides, de la physique des plasmas, de la magnéto-hydrodynamique et de la physique théorique. Autant vous dire que c'est un bon pédigré. Alors je le dis tout de suite au risque de décevoir bon nombre de ses fans qui nous regarderaient maintenant, dans cette vidéo, nous ne parlerons que de ses travaux en cosmologie. Hein, d'accord? Les positions de Jean-Pierre Petit au sujet des visites extraterrestres, ça n'est pas le sujet de cette vidéo. Et en effet, Jean-Pierre Petit a réussi à publier ses travaux dans deux revues de très haut niveau. Astrophysics and Space Science et Modern Physics Letter A. Ferai pas de blague sur mon accent. Alors on va se concentrer sur deux choses. On va se concentrer sur ses publications et on va se concentrer sur la série de vidéo qu'il publie actuellement sur YouTube, série dans laquelle il prend le public non scientifique à partie en le formant aux bases de la géométrie et de la physique. Tout ça dans le but de nous expliquer pourquoi il est l'auteur d'une véritable révolution scientifique via sa théorie, le modèle Janus. Gardez vos jeux de mots pour plus tard. Mais alors, si on ne parle pas des positions de Jean-Pierre Petit concernant les visites extraterrestres, que vient-il faire dans une émission sceptique? Et le truc, c'est que Jean-Pierre Petit prétend que non seulement son modèle cosmologique surpasse absolument tous ses concurrents, mais en plus il résoudrait les mystères les plus solides de la physique contemporaine. La matière noire, l'énergie noire, les trous noirs, l'accélération de l'expansion de l'univers, etc., etc. Même s'il n'y a pas tant d'etc. que ça. Ce modèle serait révolutionnaire au point d'enterrer les 40 dernières années de recherche faites en la matière. Et actuellement, si on ne devait se fier qu'aux équations dont on est certain, l'univers devrait se disperser. Alors on a imaginé qu'une quantité de matière noire, autrement dit invisible pour une raison ou une autre, contenait les galaxies dans une sorte de glue gravitationnel. Alors on n'a aucune preuve que cette matière existe ou que cette solution est la bonne, mais aucune meilleure idée n'a pu résoudre ce problème jusqu'à ce jour. Jean-Pierre Petit postule qu'en réalité il n'y a pas de matière noire, mais que notre univers contient de la matière dont la masse est négative, parfaitement invisible pour tout ce qui est composé de masse positive, donc comme vous et moi, hein, rien ni personne ne pèse moins 80 kg que je sache. Et donc cet agglomérat de masse négative peuple les régions que nous observons comme étant vides. La seule interaction possible entre ces deux faces de l'univers serait gravitationnelle. Et quand la matière est de masse négative, sa flèche du temps s'inverse et tout plein d'autres trucs super bizarres. Bon, tout ça c'est des explications en 2 minutes chrono, avec un dessin animé qui est vraiment pas à l'échelle, alors faites pas trop de théories sur base de ce que vous venez de voir. Alors, où est le problème? Eh ben, à part le fait d'avoir été publié, Jean-Pierre Petit ne reçoit aucun écho de la part de la communauté scientifique qui lui ferme carrément les portes quand il demande à pouvoir présenter son travail en séminaire. Les scientifiques seraient-ils terrorisés à l'idée de devoir remettre en question 40 années de recherche? Le modèle Janus contiendrait-il des possibilités qu'ils ne peuvent pas accepter? Est-ce que les scientifiques manqueraient d'esprit critique à l'égard de Jean-Pierre Petit? C'est ce que nous allons tenter de démêler au fil de ces échanges passionnants. Alors, vous l'aurez deviné, tous les ingrédients sont réunis pour se poser la question à 1000 points, s'agit-il d'une authentique révolution scientifique ou d'un énième syndrome de Galilée comme il en fleurit partout sur le web depuis que le web existe. Alors, le syndrome de Galilée, pour expliquer, c'est quand un type croit avoir raison sur un truc, mais ça remet tellement de choses en question que personne veut l'écouter. Ce qui était le cas pour Galilée, personne voulait le croire quand il disait que la Terre tournait autour du Soleil et pas l'inverse. Alors que c'était vrai, rassurez-moi, vous le saviez ça, hein. Et sauf que du coup, c'est devenu un argument tout pourri du style « Bah si tout le monde refuse de croire en ma théorie, eh bien c'est une preuve qu'elle remet tellement de choses en question que j'ai raison ». Sauf que non, quand personne veut adhérer à ta théorie, c'est aussi parfois parce que tu te plantes. Et c'est même vachement plus fréquent. Donc c'est juste pas un argument en fait. Enfin bref, ça c'était pour faire une définition du syndrome de Galilée, c'est absolument pas ça que je pense de Jean-Pierre Petit, parce que la présente vidéo n'aurait pas lieu d'être. Et pour creuser ces questions super pointues, on va parler de science, de physique, de méthode scientifique, d'esprit critique, au cours de ce format très particulier qu'est versus point d'interrogation. Alors c'est un petit peu à l'image d'un échange d'emails qui sera ensuite assemblé en un long bouquin, on va s'échanger des vidéos de questions-réponses, et le tout sera ensuite assemblé en une longue vidéo de débat. Et
Et ça c'est cool parce que non seulement on aura chacun le temps de préparer nos vidéos de questions-réponses, hein, ce sera pas un débat où c'est celui qui parle le plus vite avec le plus de style qui l'emporte, mais en plus, mon invité et moi-même avons accepté de nous soumettre à une charte de conversation que je vous invite à lire dans la description, comme ça vous pourrez voir si on la respecte. Alors pour faire très court, la charte elle a pour but d'éviter les trucs du style millefeuille argumentatif, hein, vous savez, ouais la preuve c'est que ça, et ça et ça. Ouais, bah attends, mais j'ai pas le temps de tout vérifier. Elle nous engage à éviter les sophismes dans la mesure du possible, hein, vous savez, les fameux arguments rhétoriques fallacieux, ad hominem, ad personam, biais de confirmation, blablabla, c'est celui qui dit qu'il est, j'en passe, et des meilleurs. Autre particularité maison que je dois au Rodico, merci à Hygiène Mentale pour le tuyau, chaque fois qu'on prononce une affirmation, on est obligé d'afficher le pourcentage de certitude qu'on a en notre affirmation, raison pour laquelle vous avez vu ce chiffre affiché à chaque fois que j'ai dit un truc depuis le début de la vidéo. 100% ça veut dire « je n'ai que des raisons d'être certain et aucune raison de douter », 0% ça veut dire « je n'ai que des raisons de douter, aucune raison d'être certain ». Dernière précision et après on se lance, pour faire cette vidéo, j'ai réuni de mon côté un panel de consultants, que je remercie encore chaleureusement au passage, et parce que j'ai ni les compétences ni le niveau pour évaluer les travaux de Jean-Pierre Petit. Et ça c'est peut-être la première question qu'il faut se poser, avant de prendre parti pour une théorie, quelle qu'elle soit. Petit instant de réflexion offert. Donc, avant de laisser la parole à mon invité, je précise une dernière fois qu'on va se baser sur ces deux publications les plus récentes, hein, les travaux d'il y a 10 ans, c'est pas le sujet, et parce qu'en 10 ans, il a bien bossé le bougre. Jean-Pierre Petit, merci d'avoir accepté mon invitation. Bah, toute première question, comment allez-vous ? J'ai vu votre charte, j'ai vu également la vidéo que vous avez fait pour me présenter, bon, bah, ça va, c'est... dites rien qui soit faux. Vous me demandez comment je vais. Je suis immensément fatigué, je viens d'avoir 80 ans, et ça fait 40 ans que je travaille contre vents et marées, et dites-vous bien, absolument seul. Tout ce qui se fait, je le fais moi-même. Et si je ne le fais pas moi-même, rien ne se fait. Voilà, c'est tout. Ceux qui me questionneront découvriront au passage le cauchemar des publications scientifiques. La force de ma démarche, c'est que je me suis toujours astreint à publier dans des revues de haut niveau. Il y a eu numériquement un nombre relativement faible de publications, mais il faut savoir par exemple que pour la première publication sur ce qui allait devenir plus tard le modèle Janus, en 1994, de Nuovo Cimento, il a fallu 5 ans d'efforts et 48 essais. Maintenant, comme c'est un code des courriers électroniques, ça va plus vite. Mais quand, en 2013, avec l'aide de Jean-Christophe Doré, qui faisait le secrétaire, j'ai entrepris une campagne de publication, avant de placer le premier but dans cette partie, il y a eu 49 essais. Par exemple, après cette publication de Mushimento et en 1995 dans Space Science, j'ai vainement tenté de publier le travail totalement novateur sur la structure spirale. Je crois que j'ai fait 12 revues, puis j'ai fini par abandonner, parce que la réponse était « Sorry, we don't publish speculative works. Désolé, on ne publie pas de travaux à caractère spéculatif. » Alors, par voie postale, on ne savait pas combien de temps le référé avait examiné le papier, mais par voie numérique, on le sait. Par exemple, je peux vous dire que la revue Astronomy and Astrophysics examine les envois en 3 minutes, puisqu'on a l'heure sur le courrier électronique. Donc, on a une réponse négative 3 minutes après. Ils ne lisent pas. Alors, ce qui fait que le problème... pour un scientifique comme moi, c'est d'être compris. Pour être compris, il faut être lu. Et on n'est même pas lu. Vous voyez bien que les gens qui disent des conneries à propos de ce que je fais, ils n'ont même pas cherché à comprendre. Donc, c'est la raison pour laquelle, il y a 4 mois, j'ai entrepris de faire ces vidéos en me disant « Les scientifiques ne veulent pas m'entendre, donc à ce moment-là, je vais parler au public. » Quand je dis le public, ce sont les étudiants, les ingénieurs, mais les chercheurs éventuellement. Et pourquoi un blocage aussi phénoménal? Il y a deux raisons. La première, c'est que si j'ai raison, ça flanque en l'air une quantité incroyable de démarches. Et puis la seconde, c'est qu'en 2015, fait aggravant, dans ce modèle Janus avec deux entités cosmiques, bien, dans la seconde, dans ce monde des masses négatives, les distances sont plus courtes d'un facteur 100 et les vitesses de lumière sont plus grandes d'un facteur 10, on gagne un facteur 1000. Donc les voyages interstellaires deviennent non impossibles. Alors on pourrait considérer ça comme passionnant. Non, c'est tabou, quoi, c'est tout. Voilà.
Alors, on va commencer ce dialogue. À l'issue de celui-ci, peut-être que des gens feront émerger des failles béantes qui faisaient que le modèle Janus se cassera la gueule. Pourquoi pas ? Il faut le faire, il faut mettre tout ça par terre, on va le mettre tout ça par terre. Mais quand les gens, vos intervenants, poseront des questions, monsieur Petit, avez-vous regardé ceci ? Avez-vous regardé cela ? Comment répondez-vous ? J'ai pas les réponses à toutes les questions. Et ça, c'est une chose, c'est que si ces réponses demandent du travail, je suis strictement seul à faire ce travail. Seul, voilà. Et je suis extrêmement fatigué, j'arrive pas à comprendre comment je tiens le coup dans une histoire pareille. Voilà. On peut dire que ça change radicalement le ton de l'émission, moi qui fanfaronnais un peu en vous présentant. Je dois vous avouer que je suis humainement très sensible et très touché par votre situation, probablement parce que moi aussi je lis de pas mal de projets dans lesquels je suis le seul à pouvoir assurer les tâches principales, enfin bref, passons. Je dois quand même poser très fermement ma prudence et celle de mes consultants sur plusieurs points de cette première réponse. Par exemple, les raisons que vous évoquez des rejets de vos travaux par la communauté scientifique ne correspondent pas vraiment à l'image que je me fais de la communauté scientifique. Donc soit on se trompe sur un ou plusieurs points précis, soit il va falloir interroger ce que vous en dites. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je vous avais demandé, via la charte, d'auto-évaluer vos affirmations, avec un petit tableau, ou des petites pancartes, ou même en le disant, peu importe. Mais c'est très important pour pouvoir se comprendre. Par exemple, êtes-vous certain à 100% que la raison pour laquelle la communauté scientifique rejette vos travaux, c'est parce qu'ils remettent beaucoup trop de choses en question, et parce qu'ils rendent les voyages interstellaires possibles? Ou vous en êtes sûr à 80% ou à 70% pour dire un truc un peu belge? Je suis sûr qu'en fait vous imaginez plusieurs raisons, mais connaître votre taux de certitude nous aurait déjà permis de savoir à quelle distance il fallait prendre ces affirmations. Et vu le calibre des idées que vous essayez de faire passer, je suis persuadé qu'il est très important de donner un peu de perspective à tout votre discours. Enfin bref, ces questions-là, elles sont de toute façon pas très importantes pour l'instant, et de toute façon, on aura largement le temps de revenir dessus. Sachez en tout cas que j'ai vraiment beaucoup d'empathie pour vous, je ne doute pas un seul instant que la fatigue, pour pas dire la souffrance, que vous ressentez est bien réelle, et j'espère vraiment que le présent échange nous enrichira tous d'une façon ou d'une autre, en tout cas j'en suis persuadé. Donc avant de vous poser mes questions sur le contenu de vos vidéos, je pense qu'il serait très utile qu'on commence par se mettre d'accord sur une définition qui me paraît vraiment importante. Que doit produire une théorie pour être considérée comme valable ? Cher Sam, au fil des mois, les gens se forgeront eux-mêmes leur propre opinion sur les différents sujets abordés. Le plus important, c'est de savoir si le modèle Janus tient la route ou pas, c'est tout, on est là pour ça. Quant à la valeur d'une théorie, c'est évidemment la façon dont elle colle avec les observations et les expériences. Et on est là pour examiner tout ça dans les semaines ou mois qui suivront. Voilà, c'est tout. Merci pour cette réponse. Je pense que mon programme vous ennuie un petit peu, donc comme je suis bon joueur, je vais tenter d'accélérer les choses. Mais d'abord, une petite parenthèse très importante, puisque entre cette vidéo et la précédente, nous avons eu un échange d'email très intéressant. Échange d'email au cours duquel vous m'avez demandé de lire votre livre, OVNI, l'extraordinaire découverte, afin d'être à jour au sujet de Janus. Puisque à l'intérieur du livre, il y a vos publications et toutes sortes de trucs super pointus, comme ces calculs absolument imbitables pour le commun des mortels. Je précise quand même pour les spectateurs que ce n'est pas l'auteur qui choisit le titre du bouquin, donc n'en faisons pas un argument. Je ne peux pas considérer que ce livre entre dans le présent débat, puisque nous avons convenu de laisser le sujet OVNI en dehors de tout ça. Par contre, effectivement, je considère qu'à partir de maintenant, nous avons tous deux droit d'extraire des citations de votre livre, pour peu qu'elles soient relatives soit à vos publications scientifiques, soit aux vidéos que vous avez mis en ligne sur YouTube au sujet de Janus. Voilà, petite parenthèse close. Alors je vous l'ai dit, le souci c'est que moi, je sais ce qui embêtera mes spectateurs dans vos vidéos. Je voulais vous aider à virer toute cette couche finalement bien superficielle pour rester focalisé sur le cœur de votre théorie. Et par exemple, vous résumiez à deux possibilités le rejet de Janus de la part de la communauté scientifique. Donc c'était la non-impossibilité des voyages interstellaires et le fait que ça remette énormément de choses en question. Mais en lisant votre livre, moi c'est pas du tout ça que je comprends. Moi ce que je comprends assez rapidement en lisant votre livre, c'est que c'est pas Janus que les scientifiques rejettent. C'est vous,
Alors c'est pas juste, c'est un ad hominem, bien qu'en lisant votre livre on se fait une petite idée de comment tout ça a pu arriver, et j'en veux effectivement pour preuve le commentaire de Laurent Alexandre chez Ardisson, là, tout récemment. Alors, il faut quand même un peu de prudence, il faut avoir l'esprit ouvert, mais une théorie, et les théories de Monsieur Petit ne sont pas inintéressantes, elles doivent être prouvées. Nous ne sommes pas face à n'importe qui. On a vu Monsieur Petit tomber dans le complotisme plusieurs fois, et j'invite les auditeurs à aller sur son site web, qui ressemble plus d'ailleurs à un site Minitel des années 70 qu'à un site web d'aujourd'hui. C'est étonnant de voir qu'on puisse réinventer la physique et faire mieux qu'Einstein avec un site qui a 40 ans de retard. Et s'il veut nous convaincre qu'il a découvert les théories post-einsteiniennes, il va falloir qu'il relouque un peu son site web, parce que là, pour l'instant, ça fait penser plus à le Rick Azaray de l'astrophysique qu'à un savant qui dépasse Einstein. Voilà. Dans le genre sophisme, bah ouais, il a fait fort. Ah ouais, y a pas de raison qu'il y ait pas droit lui aussi. Pourtant, je l'aime bien. Si, il dit plein de trucs intéressants avec beaucoup de... Et je le confirme, quand j'ai cherché des consultants, on m'a fermé pas mal de portes à la simple évocation de votre nom. Enfin bref, vous m'avez clairement dit par mail que tous ces sujets, ça vous intéresse pas, ça n'a aucune espèce d'importance pour évaluer Janus, et vous avez raison, même si je pense que ce sont précisément ces choses-là qui freinent les sceptiques qui voudraient venir à la rencontre de votre travail. Et faut les comprendre, on a affaire à tellement de charlatans que, bah, quand on voit les symptômes habituels, ça coupe l'envie de suspendre son jugement. Puisque personne, pas même le plus prudent des sceptiques, n'a le temps de tout vérifier, tout creuser à 200%. Mais ça ne vous branche pas, donc il me semble bien inutile de s'attarder sur la question. Pour revenir à la question précédente, mes consultants me disent qu'effectivement, pour qu'une théorie soit valable, il faut qu'elle soit conforme à toutes les observations. Quoique, on peut avoir raison contre les faits, mais ça c'est encore une autre histoire. Mais pour être valable, une théorie doit également faire des prédictions. Des prédictions donc un peu comme ce que vous évoquiez dans votre vidéo Janus 4 à 21 minutes 10, au sujet de la comète de Halley. Une petite vidéo qui contient un jump cut d'ailleurs, très original. Mais ça va beaucoup plus loin, parce que avec ça, on peut prédire. Et qu'est-ce que fait le Halley ? Il s'intéresse au passage d'une comète en 1531, en 1607, en 1682, et puis il pense que cette comète est sur une trajectoire parabolique dans la période de 75 années. Il va faire des calculs très précis et prédire en 1705 que la comète va revenir en 1759. Mais ça, c'est bien après sa mort. Et lorsque la comète revient, on est stupéfié de voir qu'elle réapparaît au point que Halley avait prédit. Je termine donc ce premier épisode, avant de vous céder la parole, par une double question qui, je l'espère, nous mènera sur le chemin du décortiquage minutieux. Puisque vous n'aimez pas l'approche progressive par l'extérieur, je propose qu'on change de référentiel et qu'on commence à creuser à partir du centre de votre théorie. Question numéro 1. Dans Janus 16, 22 minutes 22, vous proposez une prédiction pour Janus. L'expérience GEBAR, qui se tient en ce moment au CERN, a pour but d'explorer les effets de la gravité sur l'antimatière. Alors grosso merdo, les gars se demandent si l'antimatière tombe vers le bas ou tombe vers le haut sous l'effet de la gravité. Mais Janus prédit qu'il y a en réalité deux antimatières. Alors, il y a donc deux antimatières, l'antimatière de masse positive, qu'on crée en labo, et puis l'antimatière de masse négative, qui est justement cette antimatière primordiale. Et des gens comme Gabriel Chardin et Luc Vanchet, ils vont fabriquer de l'antimatière de masse positive, qui va bêtement tomber vers le bas. Vous voyez que le modèle Janus, il est prédictif. Il prédit que dans cette expérience GEBAR et toutes celles du même genre, l'antimatière qu'on fera en laboratoire tombera vers le bas. Voilà, nous avons donc là une possibilité de réfuter Janus. Alors, c'est vachement important à comprendre parce que ça veut dire que si l'antimatière tombe vers le bas, ben, ça nous avance pas des masses pour savoir si Janus est vrai ou pas. Par contre, si l'antimatière tombe vers le haut, ça veut dire que Janus, dans son état actuel, est faux. Et j'en viens maintenant à ma question, y a-t-il d'autres expériences que vous puissiez proposer pour réfuter votre théorie ? Donc pour les spectateurs, je parle bien de résultats qui prouveraient que Janus est faux. Comme on l'a déjà dit plein de fois, un argument contre est toujours infiniment plus riche qu'un argument pour. Et question numéro 2, alors là c'est un petit peu la question miroir, quelle est votre meilleure preuve que Janus est bien une théorie valable ? La meilleure des meilleures des meilleures preuves de toutes. Vous pouvez même reprendre ou m'indiquer des extraits de vos vidéos, et nous prendrons le temps de décortiquer cet argument pour que tout le monde suive. Donc je répète, 1. Y a-t-il d'autres expériences que vous puissiez proposer pour réfuter Janus ? 2. Quelle est votre meilleure preuve que Janus est un modèle valable ? À vous Jean-Pierre. Cher Sam,
J'ai trouvé très récemment un accès vers un gros système informatique, et cela pour la première fois depuis 25 ans, et cet accès ne passe pas par le milieu des astrophysiciens. Je vais donc essayer de relancer cette machine seule, en commençant par faire les programmes sur mon PC, en essayant de les importer sur cette grosse machine. Vous me demandez quelles sont les vertus du modèle Janus. Je vais commencer par tenter de reproduire un résultat vieux de 25 ans qui correspond à une simulation bidimensionnelle avec 2 x 5000 points qui avait été faite par Frédéric Descamps, qui était alors étudiant et thésard au centre de recherche allemand de DESY. Travail qu'il avait effectué à l'insu de sa direction en détournant une partie de la puissance de calcul du centre. Mais gardez en tête que le premier PC venu dispose aujourd'hui, un quart de siècle plus tard, d'une puissance équivalente à celle de l'ordinateur de ce centre. Le modèle Janus fournit donc un schéma de formation d'une structure à grande échelle de l'univers pour sa partie visible, la masse positive étant chassée dans l'espace résiduel par la formation de conglomérats de masse négative qui se forment les premiers en menant le jeu d'instabilité gravitationnelle conjointe. Accessoirement, la lumière des galaxies à grand redshift traversant ces conglomérats subit un effet de lentille gravitationnelle négative qui les fait apparaître comme des naines, ce qui est confirmé par l'observation. Cet effet rend compte également des effets, forts effets de lentilles gravitationnelles au voisinage des galaxies et des amas, et dont seule la matière visible ne saurait rendre compte. La masse négative qui entoure les galaxies les confine et leur confère la forme paradoxale de leur courbe de rotation. La friction dynamique que subissent les galaxies avec cet environnement est la cause de la structure spirale. Le document s'y joint et que j'ai pu récupérer, qui n'est qu'une très mauvaise copie, l'original ayant été perdu, se réfère à un film de 1992 fait par Frédéric Descamps, et il ne s'agit que d'un fragment puisque l'ensemble portait sur 30 tours au cours desquels la galaxie conservait ses bras. Si les résultats concernant la structure à grande échelle de l'univers ont pu être publiés en 1995 dans Astrophysics and Space Science, après 48 essais infructueux, il n'a pas été de même pour le travail sur la structure spirale refusé par toutes les revues avec la mention « Sorry, we don't publish speculative work », c'est-à-dire « Désolé, nous ne publions pas de travaux à caractère spéculatif », ce qui a provoqué chez moi l'abandon après 2 années d'efforts. Comme évoqué dans la vidéo 16, le modèle rend compte de l'accélération cosmique sans nécessiter les 6 paramètres libres du modèle ad hoc lambda CDM. Sur la base d'articles publiés en 1988-89, le modèle rend compte de l'extrême homogénéité de l'univers primitif grâce à un schéma évolutif à constante variable. Dans ce message, je ne rends compte que des travaux dûment publiés. La partie groupe explicite l'idée de Sakharov, expliquant l'absence avérée d'observation d'antimatière primordiale, comme présenté dans les vidéos, ce composant invisible du cosmos qui pilote la dynamique cosmique et donc de l'antimatière de masse négative. De même qu'il existe 2 matières de masse positive et négative dans le modèle Janus, on a donc 2 types d'antimatière, celle C symétrique qui, dans des manips du type G-bar, tombera vers le bas, et la seconde PT symétrique localisée entre les galaxies. Actuellement, les conglomérats qui se situent au centre des grands vides et dont je pense que le Great Tripler n'est que l'un d'eux sont composés d'antimatières de masse négative. Celles-ci émettant des photons d'énergie négative échappent à nos télescopes qui ne sont pas équipés pour capter un tel message. Ces conglomérats sont comparables à d'immenses proto-étoiles dont le cooling time excède l'âge de l'univers. Ceux-ci rayonnent dans le rouge et l'infrarouge. Ainsi, selon ce que je pense, ce monde négatif n'accéderait pas à la fusion et de fait ne recèlerait pas d'atomes lourds, pas d'étoiles, pas de galaxies, pas de planètes et par conséquent n'hébergerait pas la vie. Un immense chantier s'ouvre devant nous que je vais tenter d'initier seul. Les simulations devraient apporter un scénario nouveau concernant la formation des galaxies. Ultérieurement, le phénomène quasar et son inverse, c'est-à-dire l'explosion des galaxies donnant naissance à des galaxies irrégulières, devraient pouvoir être modélisés. Enfin, cela sera abordé dans d'autres vidéos, un scénario différent de celui du trou noir
sera présenté où les étoiles à neutrons éjectent tout apport de masse en excès après l'avoir inversé. Ce scénario prône l'inexistence des trous noirs stellaires. Quant aux trous noirs géants, je conjecture qu'il s'agit de masses sphéroïdales de gaz ionisés qui sont des reliquats de phénomènes quasars. Mais sur ce plan, l'observation tranchera. Voilà. Ok, bien que vous répondiez pas vraiment à mes deux dernières questions, je vais tenter d'extraire moi-même les réponses à l'intérieur de ce résumé, probablement un petit peu indigeste hein, pour la plupart des auditeurs, de ce qu'est le modèle Janus. Je déduis que nous avons donc deux possibilités pour réfuter Janus. 1. Comme j'ai dit, si les particules d'antimatière de l'expérience Gebhardt tombent vers le haut. 2. Si l'observation nous montre que les trous noirs géants ne sont pas des masses sphéroïdales de gaz ionisés. On va se dire également que votre meilleure preuve semble être un aggloméré d'arguments. Donc 1. Janus explique l'apparence des galaxies naines. 2. Janus rend compte des forts effets de l'antigravitationnel au voisinage des galaxies et des amas. 3. Janus permet de simuler les structures en spirale des galaxies. 4. Janus rend compte de l'accélération cosmique sans l'utilisation de paramètres ad hoc. Alors je dis juste un paramètre ad hoc, c'est un paramètre choisi parce qu'il colle. Bon, c'est un peu grossier dit comme ça, mais c'est un paramètre arbitraire. Donc c'est un peu comme quand vous salez votre plat, bah, vous utilisez une quantité de sel, et si le goût vous plaît, bah, vous en déduisez que la quantité de sel elle était bien. Mais en réalité, vous savez pas si une autre quantité de sel pourrait être meilleure. Hein, vous avez utilisé une quantité de sel ad hoc. 5. Janus rend compte de l'homogénéité de l'univers primitif. 6. Janus explique l'absence d'antimatière primordiale. Et 7. Janus explique le Great Repeller. Et ça, ça va nous donner du travail. De notre côté, après avoir parcouru attentivement vos travaux et vos vidéos, mes consultants et moi-même avons statué sur 5 questions qui fâchent. J'ai également réalisé une analyse complète des propos non scientifiques que vous tenez dans vos vidéos, hein, c'est-à-dire tout ce qui est opinion, analyse dont nous discuterons peut-être et que je mettrai à disposition de tous une fois que nous aurons abordé les sujets qui vous intéressent. Donc, 2 éléments de réfutabilité, 7 preuves, versus 5 questions qui fâchent et une analyse zététique, voilà qui promet bien des choses pour la suite de notre débat. Je recommande à tous d'aller voir les vidéos de Jean-Pierre Petit, elles sont dans la description. Ça vous permettra de savoir bah, de quoi on cause, et puis ça vous donnera le bagage suffisant pour regarder les prochains épisodes. Et puis y a pas de raison de se priver, le contenu scientifique y est de qualité, c'est assez chouette à regarder. Faut juste faire un petit peu gaffe, comme j'ai dit, sur toutes les affirmations qui relèvent de l'opinion de Jean-Pierre Petit. Si vous avez vos bases en physique et en cosmos, sautez directement à la vidéo 12 de Janus, où il commence à y présenter bah, ses travaux. Et puis si vous sentez à la hauteur, bah, allez-y, attaquez et lisez carrément ses publications scientifiques qui sont dans la description de la vidéo. A très vite pour la suite de ce versus point d'interrogation avec Jean-Pierre Petit. Ok, bah vous l'avez vu, le concept de cette émission est un petit peu en rodage. Hein. À ma connaissance, ça n'a jamais été tenté, alors si vous trouvez des choses à redire, n'hésitez pas, allez-y, dans les commentaires, moi j'ai besoin de ça. Alors je sais que ça fait un moment que j'avais plus rien publié, mais il faut se faire une raison. Tant que j'ai pas fini mon travail sur Saturday Man, qui est mon autre projet, qui a rien à voir avec la zététique, et ben, ça va être vraiment très difficile de me consacrer à 100% à cette chaîne. Parce qu'en plus, il y a le boulot, etc. Enfin bon. Sachez qu'actuellement, en tout cas, j'ai prévu 4 formats d'émissions différentes sur cette chaîne, et qu'il y a 9 épisodes de fake en cours de documentation. Et les vidéos, c'est la partie visible du glaçon, hein. Alors un immense merci à tous ceux qui me soutiennent depuis tout ce temps, malgré mon absence de près de 6 mois, là, j'en sais rien, ça fait combien de temps. Vous vous imaginez bien que pour vous livrer ces quelques minutes, bah, y a un énorme travail de documentation, d'apprentissage, des kilomètres de débats avec mes consultants. Donc, bah, vous connaissez la chanson, hein. Pouce bleu, commentaire, abonnement, partage, clochette, Facebook, Twitter, Tipeee. Nous, on fabrique l'engin, mais c'est vous le carburant. C'est un peu kitsch là, non? Chers aides, chers autres, prenez soin de vous et surtout, restez humains.